Je vous épargnerai tout ce qui concerne Sakao, mais enfin, c'est une information très intéressante, mais bon, je vous épargnerai un certain nombre d'éléments, je reviendrai sur certains lors de la présentation. Alors, je vais parler de Sakao, comme je l'ai dit dans la première partie, et la deuxième partie, eh bien, elle reprend notre position concernant l'agriculture et concernant les négociations en matière de changement climatique, surtout à partir du travail que nous avons mené à la COP17 l'an dernier. Bon, ensuite, j'en passerai très rapidement au succès engrangé jusqu'à présent en termes de négociations, les leçons tirées au fil du processus. Et pour terminer, j'en terminerai en insistant sur un certain nombre d'éléments qui, pour nous, sont importants en termes de besoins pour l'avenir. Bon, les besoins pour l'avenir sont de participer, bien sûr, aux négociations concernant le changement climatique en matière d'agriculture. Très rapidement, permettez-moi de parler du processus que nous avons connu en tant qu'organisation régionale, plus particulièrement bon, lors des négociations de la COP17. Nous avons consulté tous nos membres. Il y en a 16 émanant de 12 pays différents, et nous avons interroger les différentes organisations syndicales d'agriculteurs, nous avons convoqué une réunion de 3 jours. Cette réunion avait un certain nombre de tâches. Première tâche, il s'agissait d'informer les agriculteurs sur les questions clés qui seraient en jeu lors des négociations. Deuxièmement, il s'agissait d'entendre un certain nombre de présentations des différents experts sur la façon dont ces questions clés, eh bien, l'on pourrait en traiter. Il s'agissait d'avoir des idées également sur la façon dont nos agriculteurs pourraient répondre, réagir à ces points clés. En gros, c'était un atelier qui se basait sur un certain nombre de points, les enjeux de la négociation d'une part, et ensuite, il s'agissait de faciliter la possibilité pour les agriculteurs de fournir des réponses. Il fallait également qu'ils soient d'accord avec les réponses trouvées pour les différents problèmes. Surtout par rapport, donc, au point concernant Sakao. Alors bon, ce sont des questions qui sont très importantes et de toute façon, j'insisterai les concernant au fur et à mesure que nous en traiterons. Alors le premier point, j'y ai déjà fait allusion, ou plutôt Annette y a déjà fait allusion de l'Organisation mondiale des agriculteurs. Elle a insisté sur le fait d'avoir un texte bien bouclé en matière d'agriculture lors des négociations. Donc ça a été notre position. Et nos membres l'ont avalisé. À Durban ou dans d'autres plateformes telles que celle-ci, chaque fois que l'on rencontre les négociations, les négociateurs, les agences, eh bien, c'est vraiment sur ces points-là que nous communiquons. Deuxième question, cela a été évoqué également. Il s'agissait de découpler les questions agricoles d'autres questions. D'autres questions qui ne sont pas directement liées à l'agriculture. Alors j'insisterai également sur la nécessité d'un programme de travail. Ça a été notre position formelle. C'est ce qu'ont décidé les agriculteurs de l'Afrique du Sud. Ils avaient besoin, disons, d'un programme de travail qui porterait principalement sur l'agriculture, sur nos systèmes. Alors les questions liées à des accords contraignants, au travail post-Kyoto. Bon, la question de l'atténuation et de l'adaptation également a été évoquée. La position officielle des agriculteurs d'Afrique du Sud est que l'adaptation et l'atténuation, pour nous, c'est très important. Bien sûr, les gouvernements, les structures peuvent avoir des avis différents, hein, d'autres agences également, mais notre position formelle à nous a été mise sur pied par les structures nationales des différents pays. Et vraiment, nous avons avalisé la nécessité de s'intéresser aux deux versants, qui sont les tous deux importants. Il y a la question d'un système comptable également. Nous pensons qu'il est important que de tels systèmes soient intelligibles, surtout si l'on veut que les systèmes soient efficaces, surtout si l'on veut
être en mesure de déterminer le type de dommages, les effets positifs, négatifs du changement climatique, surtout concernant les effets de serre. Autre question par rapport aux propositions de la communauté globale concernant le financement du changement climatique. Nous nous appelons à ce que ces engagements soient respectés. Il faut vraiment pouvoir disposer de soutiens financiers parfaitement prévisibles. Ensuite, autre point, l'Afrique et la région, enfin, toutes les sous-régions, sont constituées en cadres. Et ces cadres devraient constituer la base du soutien des initiatives régionales et continentales, mis à part, bien entendu, le cadre mondial. Toutes les questions liées à la gouvernance des mécanismes de financement, bon, là, on a pensé vraiment qu'on avait énormément d'engagement sur le fait de financer des initiatives en matière de changement climatique, mais malheureusement, ce n'est pas suffisamment orienté, ces initiatives, vers ceux qui en ont le plus besoin. Et je pense qu'il y a quand même certains blocages qu'il faudrait justement réduire pour améliorer justement le respect de ces engagements pour la communauté mondiale. Et donc, nos organisations devraient être prises en considération dans le cadre de ces mécanismes de gestion. Ensuite, il faut vraiment explorer la recherche et le développement, explorer d'autres recherches, d'autres possibilités. Il faudrait vraiment prévoir des mécanismes de financement pour l'adaptation et l'atténuation. Ensuite, il y a l'accès des agriculteurs, l'accès justement aux ressources liées au changement climatique. Ce processus, on a estimé qu'il était relativement complexe. Malheureusement, ceux qui ont le plus besoin de financement, comme je l'ai dit, ne sont pas en mesure d'y avoir accès. Donc, il s'agirait d'avoir des mécanismes le permettant. Le mécanisme de développement vert, notamment, pour justement permettre aux agriculteurs des pays en développement de pouvoir en bénéficier. Il est nécessaire également, bon, j'ai évoqué les ressources financières, la gouvernance, mais il est également nécessaire de soutenir des actions prises rapidement. Et cela aidera à soutenir justement toutes les mesures en matière d'atténuation et de réduction. Bon, bien sûr, ensuite, il y a eu les résultats des négociations, mais il ne faut pas que ces résultats aggravent justement ce qu'on assiste en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et bon, le rôle de l'agriculteur dans la sécurité alimentaire pour l'avenir également, cela aussi c'est important. Alors, le point que je voudrais souligner ici est le suivant. La plupart des organisations d'agriculteurs, la plupart des petits agriculteurs également, ne saisissent pas suffisamment quelles sont les problématiques. Les négociations ont lieu de façon assez intense, hein, d'une part. Les décideurs politiques y participent, les agences de la société civile également, mais les organisations d'agriculteurs, les petits agriculteurs sont moins impliqués dans le processus. Et pourtant, quand on parle d'agriculture, quand on parle de changement climatique, normalement, ce sont les agriculteurs qui devraient être placés au centre de tout travail, de tout agenda, de toute orientation politique, de tout débat. La possibilité pour les organisations d'agriculteurs de s'exprimer au nom de leurs membres, cette place était occupée par la société civile. Bon, c'est bien, mais ce n'est pas très cohérent par rapport aux intérêts de nos organisations. Alors là, on a assisté à un changement, les agriculteurs ont commencé à occuper la place, avec certains succès maintenant, dont je vais vous parler maintenant. J'y ai déjà fait allusion, Annette aussi,
dans le texte des négociations de la COP17. On ne nous mentionne pas directement, mais enfin, il y a eu quand même des progrès assez significatifs. Et nous espérons qu'en décembre, des réalisations beaucoup plus décisives seront obtenues. Ce sera peut-être long, mais par la pression qu'exercent les organisations d'agriculteurs aidées par la société civile, par ces pressions, on commence quand même à assister à une certaine ouverture dans les négociations. On essaie d'impliquer beaucoup plus les agriculteurs. J'ai déjà fait allusion, j'ai déjà évoqué le mandat. Alors, l'agriculture, elle peut vraiment devenir une partie importante du travail sur le changement climatique. De toute façon, j'insisterai là-dessus lors de la prochaine COP, de la COP18. Nous, en tant qu'organisation, avec d'autres organisations d'agriculteurs, nous avons élaboré nos contributions. Tout cela sera présenté lors de la COP. Et ce qu'il faut, c'est que les organisations d'agriculteurs commencent à faire preuve de volontarisme, sans y être nécessairement invitées, pour qu'ils puissent participer beaucoup plus au processus de négociation. Durant les derniers mois, les organisations d'agriculteurs se sont beaucoup plus engagées sur le front changement climatique. Ils se sont engagés au niveau national et régional. Et à la même époque, l'an dernier, ça ne se faisait pas de façon si intense, on n'était pas aussi coordonné, mais un changement se fait en vue d'une meilleure coordination sur la question du changement climatique. Les organisations d'agriculteurs s'impliquent beaucoup plus pour ces questions. Et maintenant, on assiste à un plus grand engagement des agriculteurs lors des négociations sur le changement climatique, je l'ai dit, au niveau national et régional, surtout dans le cadre de la COP17. Cela s'est fait, et dans le droit fil de la COP18, cela va continuer. Je pense que les négociations seront plus sensibles aux besoins, aux aspirations des organisations d'agriculteurs. Ils essaieront, je pense, beaucoup plus d'intégrer l'agriculture dans le projet d'accord. Ce qui est important de souligner ici également, c'est que puisqu'on s'engage de façon plus intense dans les négociations sur un sujet qui est assez coûteux. Hein. Bon, nous, de toute façon, cela coûtera beaucoup. Il faudra que nous allions là-bas, que nous vous consultions, que nous consultions nos membres. Bon, si vous devez justement vous occupez de vos membres, vous avez besoin de ressources. Et cela prend du temps également pour amener vos amis à marquer leur accord sur un mandat. Cela prend du temps. C'est un processus de longue haleine et pour cela, il sera important d'avoir un soutien technique, d'autres types de soutien de la part des différents protagonistes. Maintenant, les besoins pour l'avenir. Je voudrais simplement souligner que ce qui est important, c'est que l'agriculture, une agriculture intelligente en matière de climat, ce qui est important, c'est que ça ne doit pas être une fin en soi. Il faut envisager les choses dans un contexte beaucoup plus large. Parfois, on se dit, ça va être la Bible. Non, il ne faudrait pas voir cela en isolément par rapport à d'autres paramètres qui rendraient l'agriculture viable. Alors, il y a les questions commerciales à prendre en considération également. Il y a la question d'un paiement, d'un prix juste pour les produits agricoles. Les autres questions, et je pourrais en terminer là, c'est que vraiment, il faut voir ce qui motive les agriculteurs à agir dans un certain sens, au-delà du fait d'assurer leur propre subsistance.
pour qu'une agriculture intelligente soit adoptée au sens, enfin partout, il faut vraiment qu'elle soit rentable, que les agriculteurs puissent faire des affaires. Parfois, on a tendance à penser que c'est du romantisme, cette agriculture intelligente au plan climatique. Bon, bien sûr, c'est faisable, mais on pense que ça ne sera pas appliqué aussi largement. Alors, une agriculture intelligente au plan climatique, il faut qu'elle soit rentable, afin de devenir durable, et qu'elle soit surtout adoptée par la plupart de la communauté agricole. Pour terminer, c'est important que l'information soit largement diffusée, qu'elle soit accessible, et il faut qu'elle soit diffusée à point nommé pour que les décisions à prendre soient plus rentables. Dans le monde d'aujourd'hui, il est important que l'information est devenue très importante pour la compétitivité. La période durant laquelle on plante une culture est très courte. Parfois, on risque de perdre vraiment beaucoup de temps. Donc, fournir l'information, cela devient quelque chose de très important. Il faut que le secteur privé, les organisations d'agriculteurs participent au processus, ainsi que les gouvernements. Il faut œuvrer ensemble dans un effort permettant de s'assurer que les décisions qui seront prises par les agriculteurs seront bien plus efficaces, surtout au plan opérationnel. Merci.